Comment ça va YouTube? Bon, ça suffit. Si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que ça fait depuis plusieurs mois que je ne peux plus rien poster sans que vous fassiez des montages de moi. La dernière fois, on avait carrément fait une vidéo où je vous avais fourni des rushs fonds verts pour que vous puissiez vous défouler, mais il semblerait que cela n'ait pas suffi. Regardez cette photo sur Insta. Elle est belle, pas vrai? Bon. J'ai compris, vous allez jamais lâcher ma veste. Et comme le premier épisode où je réagis à vos montages fonds verts vous a plu de ouf, vous avez été des centaines à m'en réclamer un épisode 2. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour mon plus grand malheur. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mesdames et messieurs, bienvenue au On en rit numéro 2. Générique! Oh my god! Mais avant les montages, un petit mot de la part de notre sponsor d'aujourd'hui, PUBG Mobile. Pour ceux qui ne connaissent pas PUBG Mobile, il s'agit de l'un des jeux mobiles gratuits les plus joués du monde, avec plus de 50 millions de joueurs par jour. En même temps, des Battle Royale dans lesquels on peut jouer des persos de Jujutsu Kaisen, d'Evangelion ou encore de The Boys, il y en a pas 36 000, même si je vous avoue que mon péché mignon, c'est de jouer mon perso en calbar. Le jeu est aussi fun en solo qu'en duo ou en squad avec vos potes, et depuis le 14 mai, la toute nouvelle map du jeu, Livik, est désormais disponible. En gros, il s'agit d'un stage plus petit que l'habituel, avec 51 joueurs au lieu de 100, et ça veut dire qu'une seule chose, du fight non-stop. Avec cette nouvelle map, vos parties n'en seront que plus dynamiques, et à peine un fight fini, qu'un autre commencera. Bref, c'est un régal. Voilà, donc si le jeu vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour le télécharger, et essayez de faire vos meilleurs top 1 sur Livik, en solo ou avec vos amis. Et maintenant, passons à la vidéo. Bon visionnage. Ok, bon, alors première vidéo. Henry Kart par Liam. Liam également connu sous le nom de Doraemon sur Twitch. Eh bien écoute, j'ai hâte de voir ce dont tu es capable. Moi. Ouais, Luigi. Libre comme l'air, vous ne m'attraperez jamais. C'est catastrophique. Bah là, on est lentes. Oh là, attention, qui va gagner? Ça m'a cassé les oreilles, les gars. Bon, Doraemon, toujours un plaisir de recevoir tes montages. Hein. Après, j'avoue, c'est plutôt accurate hein, comparé à ce qui se passe toujours sur Mario Kart. T'as été premier pendant les 3 tours. T'as fait un sans faute avec full dérapage turbo, zéro erreur. Tu vois la victoire et tu te dis, elle est pour moi. Et là... Et c'est pourquoi je vous propose de marquer une seconde de silence pour rendre hommage à toutes les personnes qui ont foiré à 2 mm de la ligne d'arrivée sur Mario Kart. Deuxième vidéo. Henry Wood. Here are the nominees for performance by an actor in a leading role. Henry Tran, Harry Potter. You're a wizard. Henry Tran, perfect. Henry Tran, psycho. During your stay, you will obey protocol. Henry Tran, Shutter Island. Welcome to Shutter Island. Putain, mais je suis partout! And the Oscar goes to... Suspense! Dans les commentaires, à votre avis, qui de ces 5 personnes va remporter l'Oscar? Kevin Tran. Petite rue de Singapour. Pourquoi je vous fais des vidéos en fait? Pourquoi je suis nice avec vous en fait? Alors que vous passez votre temps à pas me respecter quoi. Entre le troll sur Kevin et la musique, si je te retrouve. Et bam! On en rit numéro 2 par Arnaud. Et voici l'homme tout rouge et son ami bizarre. Je ne vais pas juger tout de suite, ok? Date Tinder, attention! What the fuck, le mec il s'est déterrassulé et tout. Ah putain, je vous adore, vous êtes des malades. Salut. Ah salut mec, ça va? Tu voulais me voir pour préparer ton date? Bah vas-y, montre-moi. Ouais, okay. S'il te plaît. Ça, c'est une chanson pour toi. Je t'aime. Je t'aime. T'as pas autre chose pour la séduire? Oh, alors là, c'est ma carte secrète, les amis. Non, mais arrête, je te coupe parce que là, c'est un coup de pied dans les couilles que tu vas te prendre, hein.
Oh, je vous trouve quand même un peu dur, monsieur. T'as pas quelque chose d'autre, mais en mieux. Non ! Tu ne comprends pas. Pour moi, tu es parfaite. Ah, bah voilà, ça c'est bien. Pas mal ! Non ! Pas ça ! Ok, bon, laisse tomber. Eh, franchement, c'est pas mal, eh, ça s'annonce bien, là, hein ? Ouais. Mais ce serait pas ta grosse daronne, là ? Ta mère. Oh ! J'en peux plus de vous, hein. Allez, merci beaucoup, Arnaud. Merci beaucoup pour cette déterre. Alors là, on aborde un sujet qui me parle beaucoup. Henri, placement de produit. Eh ben écoute, Sky Rider Zero, tu as attisé ma curiosité. Avez-vous déjà entendu parler du sac magique ? Non ! Le sac duquel on peut tout sortir. Ah bon ? Ça. Ça. C'est un sac à décor en fait. Ou encore ça. Est-ce que je viens vraiment de me faire recroll en 2022 ? Sky Rider Zero, je te préviens, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas où tu habites, mais je te trouverai. Et je te bannerai. Les bizarres aventures d'Henri. Bon, vous le savez, hein, fan de Jojo's Bizarre Adventure, pareil pour certains d'entre vous, fallait forcément que ça tombe. Hein. Oh, attention! Oh là là! Ne me sous-estime pas! Moi? Contre Jonathan Joestar? J'avais oublié que les fonds verts c'était une excuse pour vous pour me charrier sur ça. Il a dû mettre un paquet de temps dessus. Hein. Et pour autant, c'était pas non plus. Ah non, mon dieu. Oh, j'ai peur de passer pour un connard. Henri versus TikTok. Bon, alors personnellement, je vais pas vous mentir, j'aime beaucoup TikTok. Et mon dieu, que tu passes facilement 2 à 3 heures dessus si tu fais pas gaffe. Et tu ne dors pas. T'es comme ça sur ton tel, tu scrolles. Restez loin de cette drogue, mes amis. Oh. Toi, t'as pas envie de me chercher des noises. C'est un jeu de combat. J'ai d'un million d'abonnés. Ils vont te casser la gueule. Ouais. Ah, son TikTok, c'est de la merde. J'aimerais pouvoir faire ça dans mon lit lorsque je suis en addiction sur l'application quand même. Ce serait très très utile. En vrai, si je devais parler d'une plateforme préférée pour ma part, je t'avoue que ce serait pas TikTok. Moi, ce serait plutôt Instagram. J'aime beaucoup ce réseau-là parce que tu peux raconter ta vie et tout. Tu peux faire tes stories tranquillou-pilou et tout. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. @henritran, le lien est dans la description. Moi, je dis rien. Voilà, ouais, on est bientôt à 1,5 million. Animation Jade. Je caresse le dragon et... Easy win, les gars. Mais non, elle m'a dessiné. Oh, kawaii. Je suis un peu dans la merde, là, non? Oh, j'ai trop mort. C'est mon skin sur Among Us. Abonnez-vous. Ah, oh, merci beaucoup, Jade. Eh, les gars, je suis gâté, hein. Vous êtes... Moi, ça me fait plaisir. Ah, attendez, d'ailleurs, on a un message de Jade. Attends. Bonjour, je sais que de base, ce sont censés être des photos montage, mais j'ai voulu créer une histoire autour de la photo fond vert. Et je voulais faire quelque chose pour remercier Henri de continuer les vidéos. D'ailleurs, en passant, les monteurs font un travail de génie, je trouve. Oh, c'est trop chou. Voilà, j'ai 18 ans, je ne suis pas en école d'art, donc ce n'est pas parfait. Moi, ça me va très bien, on s'en fiche. Je sais qu'il ne verra sûrement pas ce montage, même si j'en serai la plus heureuse du monde. Mais tant pis, je tenais aussi à le remercier pour avoir créé ce petit événement autour du montage, car ça peut permettre aux personnes de s'exprimer et de pouvoir dialoguer avec les youtubeurs dans un sens. Passe une très bonne journée à toi et à ton équipe, cordialement. C'est trop trop chou, les gars. Et pas besoin de t'excuser, hein. Je sais que dans le message, tu t'es beaucoup excusé en disant que c'est pas parfait, etc. Je m'en fiche, moi. Je suis juste trop content de voir que tu t'es donné pour cette vidéo et ça fait giga plaisir. Bon, bah, on va continuer la vidéo en pleurant. Hein. Henri fond vert, arnaque Dofus. Oh là là, ce jeu qui m'a concrètement détruit ma scolarité, hein. Qu'on se le dise bien quand j'étais au primaire. Vends code audio. Oh putain, la classique. Avant, 50% après. Non, noob. Non. Tu restes par terre.
Quelle belle affaire. Ouais, c'était un peu la douille classique pour choper des camas faciles, quoi. Mais sinon, il y avait une autre douille comme ça, tu sais, genre les mecs qui débarquaient et qui disaient « Ouais, vends coiffe Vouftou pour 500 camas ». Pour ceux qui connaissent pas, 500 camas pour une coiffe Vouftou, c'est une très belle affaire. Et en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient la coiffe Vouftou dans l'interface d'échange. Toi, tu mettais tes 500 camas. Sauf, au dernier moment, ils décidaient de flouder l'interface d'échange avec plein d'items. Et toi, t'es là, t'as 9 ans, tu te dis « Ah, c'est trop bien, en plus de la coiffe Vouftou, il me donne plein de ressources pour 500 camas, mais je suis vraiment un arnaqueur de ouf, moi, oh, oh, je suis en train de le baiser !» Sauf que lui, au dernier moment, lorsque toi, t'as déjà accepté l'échange, qu'est-ce qu'il fait? Il retire la coiffe Vouftou. Ce qui fait qu'en réalité, tu as payé 500 camas, du bois, de l'eau, de la laine, mais aucune coiffe Vouftou en visu. Dofus, ça a été le terrain de formation pour un nombre d'escrocs incalculables d'une génération entière. Et j'exagère même pas, parce qu'une fois que t'as joué à Dofus, t'as vraiment tout compris à l'offre et la demande. Hein. Vraiment, l'économie du jeu était insane, les gars. Quand t'as fait Dofus, t'as pas besoin d'avoir fait HEC. C'est mathématique. Oh, allez, moving on! Un bon plan à 50 millions. 50 millions? Mon Dieu, ce n'est pas si cher. Chers amis, ça, c'est l'achat de votre vie. Attends, mais c'est Singapour là, ce qu'il y avait derrière? Croyez-moi. Putain. Encore. Avez-vous déjà entendu parler du sac magique? Ça. Ouh. Ça. 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 Non. Ça. Mort. Ça. C'est magnifique, n'est-ce pas? Achetez dès maintenant le sac magique à 50 millions d'euros. J'adore les soldes. 50 millions, c'est pas cher, hein? Tout le monde veut le sac magique, les amis! Si jamais cette vidéo atteint les 100 000 pouces bleus, je donnerai un sac magique au hasard à une personne dans les commentaires. Argumentez, dites pourquoi vous méritez le sac magique, et peut-être que vous aurez la chance d'obtenir ce sac hors du commun. Allez, vidéo suivante. Un souvenir morose par Bédri. T'as du culot, Bédri. T'as énormément de culot. Alors, pour ceux qui ont potentiellement la backstory, vous savez qu'il y a quelques années, j'ai fait une lutte des îles face à mon frère sur Animal Crossing. Et malheureusement, ce dernier a gagné, mais pas pour les bonnes raisons. Comme vous le savez, un élément qui m'était fidèle auparavant avait décidé de me trahir. J'ai nommé Bédri le modérateur. Et c'est très culotté de m'envoyer ce montage. Oh, la musique de là-haut. Oh, ça va YouTube? Nouvelle vidéo Animal Crossing en compagnie de Kevin aujourd'hui. Pour le panneau, le message en haut à gauche. Oh, le traître! Tu m'as bloqué sur Twitter, ne me parle plus. Tu m'as humilié, mais tu m'as humilié dans la France entière. Tu sais quoi? Eh, hey, allez, allez. Là, je vais y aller sans langue de bois parce que voilà, il est tout le temps sur la chaîne Twitch, lui. Bédri, c'était nul! Est-ce que je dis ça parce que je suis encore rancunier d'Animal Crossing? Peut-être. Henri, fond vert, Titanic, par Missa, qui est notre monteuse. Bon, alors, si c'est Missa qui l'a fait, j'ai une confiance aveugle en cette vidéo. C'est parti. Du rêve au cauchemar. Monsieur, ça, c'est l'achat de votre vie. Apprenez-moi à monter comme un homme et à cracher comme un homme. J'adore rire. Ah putain, c'est drôle, c'est drôle, c'est drôle. Mais attends, ce serait pas un gros baiser que je vois là, là? Mais surtout, un drame. Je ne sais pas lire. Ah ouais, cette scène, elle était incroyable dans le Titanic, je me rappelle. Je t'aime. L'amour, c'est un peu comme un père. S'il faut se forcer, c'est que c'est peut-être de la merde. Très belle conclusion. Bon, bah moralité, maintenant vous savez toute la vérité de l'histoire autour du Titanic. Si le bateau a coulé, c'est pas parce que le capitaine a fait de la merde ou encore autre chose, c'est parce qu'il y avait une armée d'Henri sur le bateau. Ça pouvait pas bien finir. Ah bon, merci Missa, merci Missa. Et voilà, c'est tout pour ce On Henri numéro 2. J'espère que ça vous a plu.
vous débordez d'imagination. C'est tout ce que j'ai à dire. Les gars, ça m'a fait vraiment super plaisir de vous faire cette vidéo. C'était vraiment trop cool. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont fait un montage et pas seulement celles qui sont passées, hein, parce qu'effectivement, comme je l'avais dit en début de vidéo, il y a eu tellement, tellement de messages qu'on pouvait pas tout mettre, sinon elle aurait duré trop longtemps. En plus de ça, faut savoir qu'il n'y a pas eu que des montages vidéo, hein. Il y a aussi eu des montages photos. Je vous en mets quelques-unes ici. En tout cas, comme d'hab, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. N'hésitez pas non plus à venir me suivre sur Twitch, Instagram, Twitter. Tous les liens sont dans la description. Passez un très bon week-end. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace! Et arrêtez avec Singapour. S'il vous plaît!